Ok, je sais pas si le début a été enregistré, donc épisode 31 de Ruined King. Alors, l'épisode précédent, je m'étais arrêté ici, sauf que là, enfin ici plutôt. Sauf que je suis reparti ici combattre les monstres, et c'est surtout en fait pour avoir la table d'enchantement qui est là. Puisque en fait, il y avait les sceaux élémentaires qu'on pouvait placer. Donc on va poser directement tout ça. Alors que les trois sceaux sont placés dans le creuset d'enchantement, ce dernier se remet en marche. Waouh! Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Attends. Qu'est-ce que je peux faire du coup avec ça? Parce que normalement, c'est des trucs d'enchantement, oui! Ah oui! Là, j'ai du niveau 30 là! Oui! Ok, c'est bon. Du coup, normalement, j'ai débloqué ce qu'il fallait. Ça, c'est good. Et en fait, j'ai aussi appris quelque chose. Donc, en dehors du fait que là, on a des enchantements niveau 30 avec nos persos niveau 30. C'est que une fois que les personnages sont niveau 30, en fait on ne peut plus monter le niveau. Donc là j'ai combattu deux monstres, attendez, et en fait ma barre est toujours pleine. Je n'ai plus la fenêtre sur l'XP gagné en fait. C'est un truc de fou. Donc en fait on est capé au niveau 30, donc un peu comme League of Legends à ses débuts. Et bah ça fait plaisir. Donc là on n'a plus rien à farmer. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cliqué sur le coffre. Oh, il se repasse un truc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Mais j'ai déjà pris. Ok, bon, là on a déjà lu normalement. Pièce de renard. Oui, tout ça je l'ai déjà eu normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas enregistré? What? What? Ok, pourquoi pas. Donc, l'âme spectre de Yumu. Une ancienne épée ionienne imprégnée de la puissance des esprits errants, on raconte qu'on entend. Soigneur 2, augmente l'efficacité des soins de 9%, impossible d'utiliser un surplus d'ingrédients. C'est fou. Bon bah c'est trop fort, donc je vais te prendre directement. Tout ça, il y a quoi là? Manteau spectral, waouh. Héroïsme, augmente l'endurance de 132 et la puissance d'attaque de 263. Broken. Broken, il n'y a que des stats positives, donc je te prends. Collier de pignon, ah oui c'est pas mal, mais... Enfin pas mal, non c'est pas fou. Parce que c'est bien pour la défense, mais ça réduit les stats. Ouh. Alors là, ça, je peux l'ajouter sur qui? Ah non, pas fou, en vrai. En vrai, pas fou. Ah là, les guides des Vastaya, c'est des fois meilleur. Mais il y a quand même Crésus qui donne des thunes, donc... On va doser. On va pas prendre ça. Ok, là, c'est good. Bah, je vais me reposer, j'ai envie de dire, hein, puisque maintenant j'ai les enchantements niveau 30, donc je vais garder ça en mémoire. Je vais checker si je peux pas faire des enchantements niveau 30, du coup. Enfin, après, je vais voir mes équipements aussi, voir si ça vaut le coup. En vrai, ça vaut peut-être pas le coup tout de suite. Vampirisme, c'est broken quand même. J'ai le matériel qu'il faut, chaque attaque a 40% de chance de voler 230. Ça, c'est good, hein. Ça, c'est quoi? Bénédiction des ombres. Augmente l'endurance de 115 et la puissance d'attaque de 921, mais réduit la défense magique de 345. Broken as fuck. Ok, bon bah on verra ça plus tard. D'abord, on a des trucs à faire. Ça c'est quoi? L'immense édifice arcanique est très semblable à ceux que vous avez déjà croisés. À la différence que celui-ci est bien plus grand. Bien qu'il soit pour le moment en veille, il est évident qu'il a été conçu pour recevoir des pierres solaires. Je vais inspecter ça. Alors ce que ça va donner. La brume noire a presque tout corrompu ici. Mais avec cet appareil... Je peux transférer les souvenirs dans la pierre solaire que j'ai récupérée dans la bibliothèque de Tresh. Okay. Il y a beaucoup de connaissances Vessani ici. Les secrets de mon peuple. La connexion avec mon passé que je recherche depuis si longtemps. Mm-hmm. Il y a bien des choses que Brom aimerait se rappeler. Mais c'est quoi cette intervention? Et les souvenirs du roi déchu? Serait-ce possible de les placer dans la pierre solaire? Oui. Mais cela nous coûterait le savoir des Vessani. Les derniers souvenirs qui restent d'eux. Mais si les souvenirs du roi déchu étaient dans la pierre, nous pourrions les utiliser contre lui. Sa honte, ses regrets, ouais. Deviendraient une arme. Là, c'est... Nous avons vu les ravages que cet amour malade peut occasionner. Si nous avons la moindre chance de le frapper ou ça fait mal, nous devons la saisir. Je suis d'accord, mais Harry, est-ce qu'elle va être d'accord? Ce n'est pas à toi de faire ce choix, Fortune. Quoi? Yasuo. Sarah a raison. Ouais. Ah, oh, Harry est gentil. Ne pas gâcher cette chance. Harry est gentil, peux-tu vraiment. Peux-tu accéder au souvenir du roi déchu? Oui. Je les sens. Ils tournent dans mon esprit comme une infection. Ces secrets
Je peux les isoler. D'accord. C'est parti. Tout ce temps, je me suis crue maudite. J'avais honte de ma vraie nature. J'avais peur de ce que je pouvais être. Mais j'ai compris. J'étais dans l'erreur. Les Vessani, ils ont vu le potentiel de nos aptitudes. Ils avaient un but. Les souvenirs du roi déchu. Sa douleur. Je les ressens dans mon esprit. Je connais son secret. La vérité impie au fond de lui. Sa peur. Sa douleur. J'en ferai notre arme. Eh ben... Oula! Je sens la puissance qui provient de la pierre. Elle l'a fait! Oui, les souvenirs! Oui. Cette haine, ces doutes, cette peur. Nous devons les utiliser contre le roi déchu. Ce golem protège la chambre. Et nous sommes des intrus. Ok. Oh, on va devoir se battre contre ça, là. Oh, le golem antique niveau 27. Oh, la musique. Oh, la musique. 52 980 PV. Immunisé contre les étourdissements, intégrité, réduit tous les dégâts subis de 30% et hâte légendaire. Retour de flamme. Le gardien s'inflige des dégâts modérés et s'applique vulnérable, augmentant tous les dégâts subis de 50% jusqu'à son prochain tour. Long temps de récupération se lance uniquement si oblitération a été interrompue. Hyper point. Inflige des dégâts modérés et augmente la hâte de 10% pendant un tour. Désorientation, inflige des dégâts légers et applique à chaque champion un effet néfaste aléatoire parmi tout cela. Oblitération, inflige des dégâts mortels, quoi ? Peut-être interrompu si des champions attaquent deux fois avec point de défaillance, ce qui entraîne un retour de flamme. Quoi ? Attaquant deux fois avec avec point de défaillance ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que point de défaillance ? Je comprends pas. Oh, je comprends pas. Est-ce que j'ai un tour supplémentaire? Non. Donc là, je vais juste faire une auto-attaque. Et il faut que je taunte avec Brome. Direct. C'est à Brome de tanker les dégâts ici. Ah bah là, c'est une AOE, comme quoi. Je vais me soigner. Parfait. Là, je vais faire bourreau des cœurs équilibre. Qu'elle a ses gouttes, je vais frapper directement. Waouh, les dégâts. Ok, 8000. Là, faut vraiment que je me soigne. C'est quand? Je crois que c'est pas pour tout de suite le soin. Ok, là c'est Brome qui prend, ça va. Ici, je vais faire encore une auto-attaque. Et faire exploser la marque. Là, je pense que je vais prendre un heal. Non, je vais pas faire ça. Je pense que je vais attendre le soin de Harry. Là, je vais faire reculer le copain. Parfait. Guérison spirituelle. On recule. Miss Fortune peut attaquer. Je vais attendre ça, finalement. Le bombardement. C'est insane. Donc là, est-ce qu'il a marque cœur voltage, lui? Embrasement. Oui, il a une marque. Donc, je vais faire exploser la marque. Ok. Oh, nice, l'esquive. Ça, c'est good. Oh, j'ai là-haut. Ah, oh, punaise. Est-ce que j'utilise le heal? Ah non, ça c'est juste ça. Ah, ça c'est pas mal quand même, hein. Je crois que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Parce que là, j'ai pas envie de mourir. Oula. Ah, en fait, c'est quand j'appuie sur tab. D'accord, je comprends mieux. Parfait. Donc là, je suis soigné complètement. Ici, on va faire reculer à nouveau le golem. Hop, je fais exploser la marque. Là, je vais faire une frappe rapide, encore une fois. Ici, je vais faire un charme. Oula, point de défaillance. Ok, donc, la point de défaillance, faut faire quoi? Il faut frapper dedans, normalement. Si des champions attaquent deux fois avec point de défaillance, ce qui entraîne un retour de flamme. Donc, on est obligé d'attaquer dedans. Comme quoi. Donc là... Là, j'attaque avec point de défaillance. Parfait.
Ici, il faut que j'attaque avec point de défaillance également. Ah mince, il faut que j'arrive à... Ok, là, j'arrive à rentrer dedans. Ok, là, je rentre dedans avec point de défaillance. C'est good. Parfait. Point de défaillance. Ok, normalement, c'est bon. Il frappe plus, là. Oh, je l'ai déchiré. Ok, là, ça pique. C'est parti. On va faire plein de balles. Ici, on va se soigner un petit peu. Ouh, toutes les critiques, ça pique, là. Là, je peux faire scission également, ici. En vrai, augmente les chances critiques. Et ça, c'est pas... En vrai, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, je pense qu'on en aura même pas besoin. Enfin, on va le faire quand même, pour faire des crits à tous les sorts. Nice. Et là, avec ça, normalement, je déchire le golem. Voilà. Les 80% de crit sur ces balles-là, ça doit tellement déchirer. En tout cas, la musique était insane. Essence violette, rocher ancien, issu de golem, peut être changé contre 35 marques noires. Ça, c'est bien, ça. Plastron du sublimé, une armure légendaire de Freljord. Et après, du matériel. Et donc, l'XP, on n'en a plus. Voilà, la fenêtre a disparu. En tout cas, j'ai défoncé le golem. Quel beau combat! Ouais. La magie et la pierre ne font pas le poids face à ma lame. Ouh. Récupérons ce qu'on est venu chercher. Oh, les souvenirs. Les Vessani. Harry, tout va bien? Oui. Les souvenirs m'ont simplement submergé. Je peux les voir. Les Vessani. Les ancêtres. Ton passé te rattrape, toi aussi. Ils s'évanouissent. Et avec eux, toute leur connaissance. Ah, ça y est. Tout ce qu'ils ont accompli en ces lieux. Mais c'est ce que tu cherchais. Tu ne dois pas les laisser s'évanouir, Harry. Peux-tu faire quelque chose? Non, je ne peux pas. Je dois les oublier. Ah ouais? Harry. Harry. Nous avons fait tant de chemin ensemble. Oh, quoi? Où suis-je? Attendez, ne me laissez pas! Je suis seule pour toujours. J'ai fait mon choix. Tu n'as jamais été seule, et ne le seras jamais. Ce que tu viens de faire est héroïque. Mon amour, s'il te plaît, je te demande pardon. Pour ce que j'ai fait. Pour ce que je suis. Tu es pardonné. Tous devraient l'être, s'ils sont fidèles à eux-mêmes. Et qu'ils se sacrifient pour autrui. Comme tu l'as fait. Je pensais que mes ancêtres pourraient m'apprendre à vivre sans blesser les humains. Mais... le passé a disparu. Et toi? Des souvenirs. Ils seront toujours avec toi. Tu pourras les chérir. Mais ils importent moins que le futur qui t'attend. Va, bats-toi pour le monde. Merci. Damn! On a vu le copain de Harry, quoi. Le copain humain. Enfin, Lex, du coup, vu qu'il est mort. Que s'est-il passé? Tu as trouvé les réponses à tes questions? J'ai si longtemps pensé que j'étais brisée, incapable de vivre parmi les autres. J'avais honte. Mais j'ai voyagé avec vous. Et j'ai gardé le contrôle. Oh là là! J'ai découvert enfin qui j'étais vraiment. Cette confession. Je pensais qu'en découvrant mon passé, j'apprendrais à vivre avec moi-même. Mais en fait, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. C'est beau. Mes ancêtres. Leurs souvenirs ont disparu, mais je sens toujours la force de leurs convictions. Ils voulaient aider le monde. Et c'est ce que je vais faire. Oui, Harry. En créant de nouveaux souvenirs. Mes propres souvenirs. Let's go! Cela dit, revenons à nos poros. Oui! La forge Burrows! Oh oui, c'est vrai. Je sens la puissance de Nagaka Burrows provenir de l'autre côté de cette chambre. Avançons prudemment. Allez.
avançons prudemment. Alors, ah, il voulait me faire rater ce loot. Sauf que moi, je vois tout. Je vois tout et même la mana à prendre ici. Voilà, comme ça. Si jamais il y a un combat de l'autre côté, on pourra tout réceptionner. Hop, potion de soins céleste directement. Résurrection majeure, prisme ancien et 500 thunes. Allez là, est-ce que le coffre s'ouvre encore? Non, il n'y a plus le... Bon, en fait, ce coffre est assez bizarre, il s'ouvre pas. Bon, ça je l'ai fait. Attends, est-ce que je peux refaire quelque chose dessus? Non. Ah, on peut lire ici. Les glyphes sont en grande partie lisibles. Notre recherche est couronnée de succès. La brume blanche s'est avérée vitale pour nos recherches sur les sorts mémoriels et le stockage de souvenirs. Nous allons passer à la phase suivante de nos essais sur les golems avant de... Et la suite est illisible. Ok, bon bah voilà, on a lavé la zone. On pourra passer à la suite. Tac. Forge Bourou, caveau des îles bénies. Ah ouais, c'est seulement ça. Ah oui, y'a que ça. Attends, là c'est insane. Oh, waouh. Bon allez, on va cliquer dessus. La forge de Nagakaburos, l'autel de ses pouvoirs divins et silencieuse. Grâce à ça, vous pourrez peut-être purifier l'amulette maudite. Mais ce ne sera pas chose aisée. Allez, on y va. Le pouvoir de Nagakaburos est puissant par ici. Oui, en effet. L'énergie que je ressens, elle m'évoque celle du temple de la purification. Un puits d'énergie provenant du fond de la mer. Une autre collaboration entre les îles bénies et les anciens bourreaux. Mais voilà longtemps que l'histoire bourreau n'en fait plus mention. Naguère, les bourreaux venaient sûrement ici pour communier avec Nagakaburos. Mais nous ne sommes pas venus prier. Si on vient pas prier, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai bien trop longtemps attendu un signe. Je voulais interpréter la volonté de la mère serpent. Je n'attends plus. Je vais maintenant l'appeler directement. On va la voir. Grande nouvelle. C'est elle qui nous verra. Devant Nagakaburos, tout est révélé au grand jour. Seuls les dignes survivent à cette épreuve. Une autre épreuve? What the fuck? Oui, Pike. Si nous réussissons, la lumière de la mère serpent purifiera l'amulette de Gangplank, comme elle l'a fait de la graine dans le temple de la purification. Ah oui. Et si nous échouons? On meurt. Espérons que ce ne sera pas le cas. En tout cas, nous aurons ce que nous méritons. Allez, allez. J'ai connu de meilleurs auspices. Je vais placer l'amulette sur l'autel. Vous tous, touchez-la et dénudez votre âme. Je suis mort, dénudez notre âme. Votre cause est juste. Nous n'échouerons pas. Je ne suis pas seule. Tu n'es que mouvement. Tu trouveras ta voie. Avec nous. Allez, allez. Peu importe le résultat, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Regardez vers la lune. Oh là là, Yasuo. Il dénude son âme. Nous avons tous appris quelque chose. Nice. Allez, Pike. Mets la main. J'en appelle à la mère serpent. Que ces sacrifices deviennent notre salut. Purifie la brume noire de cette amulette. Quoi? Encore un combat? Quoi? Je dois affronter l'avatar de Nagakaburos niveau 28 à 60 000 HP quasiment. Inflige des dégâts modérés à un champion, inflige des dégâts modérés à chaque champion, donc c'est volonté écrasante, foi écrasante. Épreuve de patience, s'applique épreuve de patience, ce qui inflige des dégâts extrêmes au champion lorsque l'unité subit une attaque. Ajoute un aléa lointain sur une voie aléatoire qui applique patient.
Les champions affectés par patient ne sont pas affectés par épreuve de patience et gagnent 1000% de puissance d'attaque supplémentaire. Dévoile ta puissance s'applique, dévoile ta patience, ce qui rend l'avatar invulnérable. Cet effet disparaît lorsque l'avatar est touché par une compétence ultime. Waouh! Ah oui, là c'est dur là. Bon, frappe rapide. Là je vais taunt. Comme ça, si jamais il y a des attaques mono-cibles, c'est Brom qui prendra. Là, Harry. Allez, une frappe rapide. Tour. Allez. Ah, j'ai pas de tour supplémentaire. Là, je vais faire marque-cœur équilibre. Là, je vais faire exploser. Tout ça. Là, je vais faire une frappe de recul. Ouf, là-haut. Ok, ça pique. On va se heal. Allez. Harry d'abord. Tac, tu recules. Ok, ça va, ça fait mal. Là, qu'est-ce que je peux faire? Là, qu'est-ce que je peux faire? Ça. Déchiqueteuse. Ici. Ce que je peux faire, c'est... Ouais, c'est encore une scission. Parfait. 38 000 PV. Donc là, elle s'est mise quoi? Dévoile ta puissance. Elle est invulnérable aux dégâts. Donc là, faut pas que je la touche, on est d'accord. Attends, c'est quoi? Dévoile ta puissance. S'applique ce qui rend la... Ok, lorsque... Ah, il faut que ça touche... elle se fasse toucher par une compétence ult. Bon bah voilà, tiens. Je mets une compétence ult. Voilà. Ça ne marche pas avec moi. Ok, là c'est quoi? Épreuve de précision. Donc là, il faut que je fasse... Je touche parce que sinon je prends cher. Attends, épreuve de précision... Ah non, réduit tous les dégâts subis... Ah non, c'est pas... Ah non, c'est autre chose. Et précis augmente la puissance d'attaque de 50%. D'accord. Donc là, en gros, le but, c'est qu'avec précision, je peux faire du dégât. Si je snipe bien. Ok, là, je snipe bien. Parfait. Ici, je peux... Est-ce que je peux sniper correctement quelque part? Est-ce qu'elle a marque cœur voltage? Non, elle n'a pas. Oh là, c'est parfait. Ici, je suis dans la précision. Également. Ok, ça, c'est du dégât mono-cible. Ça va. Ok, parfait. Ok, là j'ai du dégât augmenté, c'est cool. Elle s'est mis en bouclier, c'est lequel? Dévoile ta puissance. Ok, donc là faut qu'elle se fasse toucher par une compétence ultime. J'ai pas ça, donc je vais prendre une potion. Donc je vais prendre une potion. Bah là j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ça pour Brom. Voilà. Là la compétence ultime, elle est prête. Parfait. Là c'est quoi là? Elle a fait quoi? J'ai pas fait attention. Bon, je vais frapper. Je vais mettre une frappe rapide. Hop, marque de cœur voltage. Là également, frappe rapide. Oh mais attends, mais j'avais pas vu ça. C'est les épreuves d'esquive. Ok, donc faut que j'esquive maintenant. Donc là, je peux faire une big morsure ici. Là, je peux faire... Ah non, là, je peux pas. Donc, il faut que je reste dans la voie normale. Ouh, la petite AoE qui pique, hein. Tac. Là, j'ai pas vu ce qu'elle a fait. J'ai pas fait attention à ce qu'elle a fait. Je vais me donner un shield, je pense. Ouais, je vais me donner un shield. Ok, parfait. Ok, et là normalement c'est la fin. Ok, les dégâts d'Harry ça va. Ah, c'est sur Brom. Bon, c'est le shit qui a tanké. Ah, ça fait 0 dégâts. Mince. Il fallait un truc, une compétence ultime. Je vais me donner un bouclier à tous les alliés. Bah là je peux rien faire, du coup je fais fanfaronne tranquillement. Hop. Bah je vais soigner Miss Fortune. Oh, y a pas besoin d'autant de heal, hein. 8000 de heal, c'est énorme. Là ça sert à rien également. Je vais refaire ça. Je vais appliquer des effets de fanfaronne tout simplement. Parfait. Là je peux encore faire des effets fanfaronne.
Je sais pas à quoi ça sert. Attends. Fanfaronne, à quoi ça sert? Augmente la hâte de 5% par effet cumulé. Oh, c'est good ça. Je recommence. Je n'ai pas toute la journée. Ok. Mais est-ce que fanfaronne ça reste en fait? Non, ça reste pas. Bon, je sais pas, je comprends pas trop. Ok. Là, du coup, là, il y a toujours dévoile ta puissance. Du coup, je vais attendre l'ult 3. Je vais réduire les dégâts juste. Parce que du coup, ça puisse quand même de la mana, mine de rien. Là, je peux faire reculer. Je pense que je peux quand même faire reculer, même s'il prend pas les dégâts. Là, je vais faire un heal sur Ariel même. Oh, le heal est insane. Hop. Esquive augmentée, voilà. Je crois que le heal, le recul a fonctionné. Et là, je peux faire le bombardement. C'est parti. Et voilà, là c'est bon. À chaque tour, elle va prendre un déferlement de balles. C'est terrible. Du coup, non, j'ai juste à frapper classiquement. Oh, ah mince, j'ai pris des dégâts de fou là. Oh bah là, c'est fini. En fait, qu'importe ce que je fais, c'est terminé là. Fanfaronne. Et là, je peux même heal Brome carrément. Et voilà. Ouh. Allez. On a eu des bons items là. Oh, perpétuel, le tonde sans fin dans cette bouteille illustrant le mouvement perpétuel peut être échangé contre 40 marques noires. C'est trop bien ça. Et tranchant de serpent, une dague utilisée par les rituels bourreaux qui semble encore porter en elle la bénédiction de Nagaka Bourros et qui rend 203 PV à chaque tour. Waouh, ça c'est pour Pike. Insane. Je crois que ma moustache a roussi. L'amulette est purifiée. On a réussi. Trop bien. Ilaoi, c'était un avatar du grand Kraken. Ouais. Mais la déesse, elle m'a entendu. Elle m'a accordé mon souhait. En appeler directement à elle, c'est contraire à la tradition, mais la déesse nous a accepté. Putain, la bosse, hein. J'ai cru trop longtemps que j'étais la seule à pouvoir porter ce fardeau. Mais je vois à présent que nous le portons ensemble. Ça, c'est bien. Nous sommes les vrilles du serpent qui repoussera la ruine qui menace Beachwater. Reposons-nous un peu, puis nous irons botter le train du roi déchu. Magnifique. Voilà, là, on se comprend. Sarah, je peux te parler. Désolé, Ilaoi. Je garde ce collier jusqu'à ce que le roi déchu soit remis à sa place. Mais je pense que tu pourras l'essayer ensuite. Non. Ce fardeau te revient. Ta volonté est forte. Mais avec toutes les vérités qui font surface, quelque chose continue de peser sur ma conscience. Ah, c'est du sérieux alors. Gangplank. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il est la source de ces terribles événements. Je suis donc responsable. On en a déjà parlé, Ilaoi. Tu savais pas? Tu pensais qu'il était mort au fond de l'océan? Non, Sarah. Après ton combat avec Gangplank, les bourreaux l'ont extrait de l'épave. Ça va être dur, hein, cette confession. Ils me l'ont amené. Je lui ai fait passer l'épreuve de la déesse. Elle l'a jugé digne. J'étais forcée de tout faire pour l'aider à se rétablir et à reprendre sa voix. Tu as fait quoi? Oh non, Miss Fortune. J'aurais dû te le dire. Je sais. Je suis désolée. Tu es désolée? Et tu espères que ça suffit? Oh non, la volonté de faire de Miss Fortune. Les paroles de la déesse ont longtemps été pour moi un absolu. Elle a accepté Gangplank. Et cela m'a poussé à l'aider de mon mieux. Et à présent? J'ai appris que je pouvais opposer mon libre arbitre à la déesse. Oh oui, c'est bon, elle s'est rétablie. Mon propre désir. Elle a compris. Elle veut que les mortels cherchent leur voie. La déesse m'a appris bien des choses. Mais je choisis seul le chemin que je prends.
Gangplank est un homme compliqué, mais je ne peux défendre ses actions. Si je le trouvais brisé aujourd'hui... Tu ferais ce qui est juste. Tu le mettrais 6 pieds sous terre. Ce qui est fait est fait. Mais on ne peut pas nier qu'il s'est montré utile. Avec l'amulette qu'il nous a donnée, nous pouvons arrêter le roi. Allez, on y croit. Cela ne change pas mes plans pour lui. Ilaoi, il fut un temps où je t'aurais tué pour m'avoir menti. Aïe, aïe, aïe. Mais aujourd'hui... Ok, toi aussi t'as changé. Tu vas m'aider à mettre fin à tout ça. Je ne suis pas stupide. Nous avons plus de chance ensemble. Mais tu as une dette envers moi. Oh, il est dur, hein, Miss Fortune. Une fois le roi déchu éliminé, nous obligerons Gangplank et Sera à sortir au grand jour. Et nous les écraserons. Ok. Sera, je ne peux pas te le promettre. Cette obsession pour la vengeance, elle ne te vaut rien. Bilgewater finira par en souffrir. La ville a besoin d'un chef, pas d'une vendetta sans fin. Ouais. Tu te trompes, prêtresse. Quoi ? Ma vengeance n'est pas quelque chose que je peux abandonner. Le sens de ma vie, c'est nettoyer Bilgewater de Gangplank et de ses sbires. Oh, les valeurs de et chacun. J'irai jusqu'au bout. Tout ce que je demande, c'est que tu te libères du passé. Je ne nie pas tes souffrances. Mais tu mérites mieux que cette vie. C'est le problème, Ilaoi. Je ne peux pas me détourner de mon passé. Pour l'heure, nous avons un roi à arrêter. Ensuite, nous verrons bien. J'espère que nous arriverons à nous entendre. Bon, allez, voyons. Moi aussi, Sera. Moi aussi. Ok, ok, good. Wouah, c'est dur, hein. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Ok. Donc là, faut juste repartir. Ok, le téléporteur est désormais actif. Donc maintenant, c'est quoi nos missions? Défier le roi déchu, ça y est? Ça y est, c'est le combat final, là? Non... What the fuck is that? Alors, attendez, juste, je ferme une application... Ok, c'est bon. Mais what? Attends, je suis un peu confus, là. Tranchant de serpent. Ah ouais, bon, déjà, ça s'est claqué. Je pensais que c'était bien. Plastron du sublimé. Pas ouf, hein. On préfère la tankiness de Brom par rapport à ses dégâts, vu que c'est un peu son rôle. Et puis, pour le reste, bon. Oh, what? Pourquoi c'est ici? Ah non, oh, c'est un bug. Ok. Donc, là, faut juste retourner, quoi, en gros. Mais après, c'est vrai qu'on avait des missions secondaires, donc récupérer des gens au bosquet, enfin... Chasser des gens pour des gens que Phileas voulait. Donc on va les chercher là. Ça c'est le port englouti. Donc on va d'abord aller au caveau des ombres. On va tout checker, hein, pour monsieur Phileas. Est-ce qu'il y a un mec dedans? Ouah, merci quand même, hein, parce que bon, s'il serait dedans, ça aurait été long, quoi. Allez, caveau des Vessani. Normalement, il n'y a personne, vu que bon, c'est le caveau, quoi, des Vessani. C'est ce qu'on a farmé. C'est ce qu'on a farmé récemment, donc ça devrait aller. Bibliothèque de Thresh. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la bibliothèque de Thresh? On ne dirait pas. Caveau des géants. Allons voir. Ah ouais, après il faut se balader peut-être. Forge et forge. What? Alors attendez, je vais revoir les quêtes. Se rendre à la grotte bourreau à Bilgewater. Se rendre à l'entrepôt. Trouver et tuer 3 puissants marcheurs de brume. Ah bah voilà. Ah d'accord, bah c'est ici en fait. Ok, cool. Et là c'est quoi? Ah ça c'est les mecs. Ok, donc. Là, faut aller à l'académie, au cimetière et à la forêt. Donc académie c'est ici. Non, ah, vers les jardins de l'académie. C'est ici. Donc là, ça sert plus à rien de les frapper, eux. Merci, merci. Allez, on va prendre des potions quand même, c'est cadeau. De toute façon, j'en ai un peu trop, donc autant les puiser tout de suite. Voilà, un petit peu, ça fait plaisir. Donc là, c'est bon, chambre, c'est bon. Allez, on passe à la suite. Ici.
Là. Là, on n'a plus rien à fouiller. Je vais faire quand même des coups d'observation. On sait jamais. Donc là, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un à chasser ici? Entrepôt du lac de pierre. Bosquet. Académie côtière. Mais c'est vers où? À l'académie. Dans le cimetière et la forêt. Donc j'ai l'impression que vers l'académie côtière, il y a un truc en fait. C'est bizarre. Je suis un peu perdu là. Juste dans le doute, j'affronterai des méchants qui sont un peu vénères. Je prendrai bien une petite potion. Voilà. Juste histoire d'être sûr. Oh, 60 points de mana. Allez, je prends. Bon, tu me fuis ou pas? Eh, hey, t'as pas peur de moi, toi? Bon, ça c'est fait. Ici, on a quoi? Donc, je peux aller techniquement d'abord vers le bosquet, donc la forêt. Là, il y a entrepôt du lac de pierre. Est-ce que je suis allé pêcher là? J'ai plus de souvenirs. Bon, allez, on va partir vers le bosquet d'abord. What? Mais il y a des nouveaux ennemis! Filange de la brume, cœur de ronce. Qu'est-ce que c'est que ça? Inflammable, l'unité subit étourdissement pendant un court instant quand elle est affectée par embrasement. Croissance prodigieuse s'applique, croissance prodigieuse rendant ses PV, des PV à tous les alliés et se dissipe à la mort quand l'unité est affectée par l'embrasement. Assaut de ronce inflige des dégâts modérés à tous les champions. Ça c'est quoi, phalange de la brume? Réduit de 25% tous les dégâts infligés à l'unité par les attaques effectuées sur les voies de l'équilibre et de la célérité. Inflige des dégâts légers aux attaquants. Et les attaques effectuées sur la voie de la puissance percent la garde. Coup de bouclier, inflige dégâts modérés, inflige dégâts supplémentaires si bouclier clouté est actif. D'accord, bon. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc là, on va faire plus de balles. Et ici, on va faire une belle AOE. Là, on a 3 belles AOE. Bam. La pluie de balles va faire mal, hein. Ah bah, ça a tué tout le monde. Parfait. Et là, c'est à Harry de lancer son sort, j'imagine. C'est des araignées venimeuses. Donc c'est des araignées qui mettent poison. Ok. Et qui font des dégâts de ouf. En fonction du nombre de stacks de poison. Bon, on continue les AOE, hein, du coup, j'imagine. Ah, il s'applique. Et voilà. Bon, on va voir le matériel que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Soie ancienne, monnaie oubliée, écorce dense. Bon. En vrai, ça va, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Oh, what? Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a encore ce type de mob. Là, il y a des araignées venimeuses. Bon, allez, je vais aller au bosquet directement. Je vais pas perdre de temps. Oula, là, il y a 3 vagues. Oh, il y a 3 vagues. Brume affaiblissante, en plus. Alors, du coup, ça fait quoi? Applique scission et scission magique aux champions dans la zone. Donc c'est... Ok, on devient vulnérable en gros. Le nombre de choses que j'ai récoltées quand même. Oula, c'est bugué là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu... Ah, c'est bon. Donc j'ai eu ça, j'ai eu quoi d'autre là? C'était quoi que j'ai chopé? Ah, c'était ça? Ouh. Il n'y a pas Crésus, mais je vais le bien donner à Liassos, hein. Même si ça réduit à fond ses PV, je pense que là il est quand même bien en mode DPS. Donc au bosquet, c'est la forêt, j'imagine. Non, bois de l'effroi. Donc c'est là-bas. Ça, d'ailleurs, je vais me reposer, je vais en profiter. Et je vais choisir les membres de groupe. J'ai envie de prendre d'autres personnes. J'ai envie de prendre Pike, Yasuo et Miss Fortune. Je crois que c'est eux trois qui ont Crésus. Je vais checker. De toute façon, hein, équipement. Eloy n'a rien. Brom n'a rien. Attends, faut que je regarde aussi les effets. C'est où les gold là? Parce que là, il n'y a rien qui indique qu'ils farment les gold.
Ouais, c'est ça le problème. Ah si, il y a Pike. Il y a Pike et Harry. Ok, donc Pike et Harry en fait. Choisir les membres du Pike. Harry. Yasuo. Allez, on prend les trois ici. Parfait. Donc ici, on n'a pas grand chose. J'ai quand même 69 000 gold, non? C'est insane. Alors Maokai, t'as un truc à nous dire? Ah non. Pas grand chose d'autre à dire, j'ai l'impression. Allez, bois de l'effroi. Parce que bon, si c'est pas là, au pire, tant pis, hein, Nick. Allez, dis-moi... Oh, voilà, on trouve des trucs. Caveau des ombres. C'est good, on trouve du truc. Alors, où es-tu, Non. Attends, c'est où? Ouais, c'est là, hein. Ouh, les 1000 de dégâts, je l'ai senti passer. C'est toi? Non, c'est pas toi, c'est pas ici. C'est plus bas. Voilà. C'est toi? Je crois pas que c'est lui. C'est qui? Mais si, c'est lui! Ok, c'est toi! Porte-ruine. J'imagine que c'est toi, monsieur porte-ruine. Allez, on va t'affaiblir tout de suite, porte-ruine. On va tuer aussi tout le reste, là, toute la clique. On en profite. Là, furtivité. Comme ça, je gagne un tour supplémentaire. Je passe directement en mode assassin. Et en fait, je dégomme le porte-ruine. Ouh, presque mort. Ah, je suis déjà mort. Mince. En fait, ça va être plus dur que prévu. Ok, ça va être plus dur que prévu parce que là, c'est au porte-ruine d'attaquer. Ah non, c'est... Ok, c'est pas au porte-ruine d'attaquer. Je vais régène Yasuo. Enfin, je vais raise Yasuo. Ok, Harry est morte. Donc là, je vais raise Harry. Ah, c'est compliqué, hein. Je vais refaire des dégâts, si possible. Là, je vais faire un heal pour Monsieur Yasuo. Ok, là, je peux purger des effets. Oh nice, j'ai tué le porte-ruine. Bon, bah, c'est bon, en fait. Du matériel, on prend. Donc là, c'est le marcheur de brume. Et d'un... Oh là. Donc, c'était le journal de quête, pour savoir où ça se trouve. Académie et cimetière. Donc, académie et cimetière. On va chercher ces gars-là. Dans l'académie et le cimetière. C'est plus bas. On va d'abord aller dans le cimetière. Je crois que c'est le plus proche de là où je suis. Donc c'est... Ouais, c'est vers là-bas, en dessous. Toc, toc, toc. On t'attrape. Hop, c'est cadeau. On passe direct en bas. C'est ici les deux? Bon bah, si c'est là les deux, ça me va. Oh, il y a du nouveau mob. Ah, c'est les livres. C'est les générateurs de gold infini. ...46 pièces. 1000 pièces par fight, ça fait plaisir hein, quand même. Donc ici, on va y aller. Oh my god. Ok, c'est pas fini, on a du combat. 1100 pièces. Le gain de 1000 direct est pas mal. Hein. Oula, pourquoi ça bloque comme ça? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Bon, pourquoi pas. Je vais juste prendre une potion de mana, je pense. Je suis bloqué. À l'aide. À l'aide. What? Mais qu'est-ce qui se passe? What? Pourquoi je suis bloqué comme ça? Oh non! Non, je suis bloqué! What? C'est terrible! Ok, bon. On va sauvegarder. Je vais créer ici. Ok.
Ok, bon bah ça bloque toujours, donc bah je vais couper là et je vais vous retrouver après. Je vais sauvegarder et relancer la partie d'ici. À tout à l'heure. Bon, ok, j'ai été relancé ici, donc j'espère que ça va mieux se passer maintenant. Bah on va passer en dessous également, encore une fois, voilà. Et là ça a bloqué. Ok, là ça bloque plus, donc bon. En vrai, le problème se règle assez facilement, donc ça va. Ouh ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ça fait peur, hein. Ok, je vais prendre toute ma mana pour affronter ça. Allez, c'est parti. Ok, en plus, c'est pas le seul ennemi. Donc, c'est le moissonneur de douleur. Consomme tous les effets néfastes des alliés, augmente la puissance et inflige des dégâts portant en 6 coups. Bon, en vrai, on va pas se mentir, il a l'air nul. Il a l'air nul. Bah, en fait, surtout qu'il a que 5000 PV, quoi. Donc, 5000, c'est que dalle. Là, en fait, je peux le one-shot tout simplement. Ah non, c'est Raza qu'il faut que je... Oh, j'ai pas fait attention, punaise. C'est Raza le faucheur. Là, il est plus effrayant. Ligne de front, réduit tous les dégâts subis de 40% par effet cumulé, la mort d'un allié consomme un effet. Inflige des dégâts magiques importants à chaque champion, seulement utilisable après la mort d'un allié. Augmente la puissance d'attaque et de la hâte de l'allié de 15%. Et inflige des dégâts modérés à chaque champion. Ok, bon. En fait, il fait peur. Il est beaucoup plus impressionnant que je ne le pensais. On va faire une AOE. Pour tuer les deux personnages. Là, on va faire puissance. On va se concentrer sur Raza. Ah oui, petit dégât. En vrai, il prend pas si cher que ça, donc c'est un peu chiant. Ouh, je vais bientôt perdre. Faut que je fasse gaffe. Ok, faut que je fasse vraiment gaffe. Parce qu'en fait, il peut me tuer facilement. Bon, allez, je fais l'huile de pike direct, hein, je réfléchis pas là. J'essaie de tuer les mecs sur les côtés, surtout. Ok, il y en a un qui est parti. Et l'autre est en train de mourir, parfait. Oh, il est pas mort. Il est mort. Let's go. Donc là, directement, je pars sur mort lente. Là, je repars sur ma furtivité. Là, je vais me heal directement avec Harry. Parfait. Tour supplémentaire. Je peux faire les dégâts au maximum. Ok, deux morts. Oh, 90. Je gagne. À rien. Je gagne à rien. Raza le faucheur vaincu. Let's go! Je vois. Ah, mais c'était un mec des primes. C'était un mec des primes, non? Attendez, je me suis trompé de bouton encore. Raza le faucheur. Ah oui, en fait, c'était un mec des primes. Oh, c'est drôle. Ça veut dire qu'il y a. Attends. Il y a des mecs des primes qui sont dans les îles obscures. Passeur du voile, il est où? C'est peut-être qu'il est ici en fait, hein. Commandant Ledros. C'est dans le sanctuaire de Trèche. Briseur de coq. Nous les bourrons avons besoin de nous. Nous préoccupons. Ok. Et ça, c'est à Bilgewater au quai du port. Ok, je comprends mieux. Ça se passe comme ça en fait. Alors par contre, j'ai pas envie de rester comme ça là. Je vais prendre directement des potions de heal de groupe. Et une potion de mana majeur. Voilà, je me sens mieux comme ça. Bon. On va passer sur le teco. Parce que c'est par là qu'il faut passer. Tac, 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 tac. Non merci, j'ai pas envie de toucher à des mecs. Hop, je vous esquive tous. Bon, après, si vous insistez, je peux faire 4 waves. Ok, bon, bah, il y a 4 waves. Avec plein de matériaux et 3000 gold. Du coup, comme ça, ça me permet pour une dernière fois... Enfin, une dernière fois de farmer tout ça. Alors, toi, t'es pas la personne que je recherche. Quoique. Si, c'est lui, non? Ah, peut-être. Porte-ruine. C'est un porte-ruine, mon adversaire? C'est éclaté, un porte-ruine. De souvenir. Gla. Parce que, pour moi, c'est un mob classique, genre... What the fuck?
c'est pas fou. Ouais, le porte-ruine il se fait démolir là. Ouais bah ouais. Non là je suis vraiment confus. Et là je prends le matériau. Le marcheur de brume dans le cimetière. Ah oui. C'est vraiment c'était vraiment un ennemi ça. Les prochains c'est quoi? Le à l'académie, un marcheur de brume. Bon bah c'est parti hein. On va retourner prendre le téléporteur et aller à l'académie directement. Bon bah comme quoi des fois les ennemis sont pas les mecs les plus effrayants. Donc académie, j'ai plus de souvenirs. J'espère que le téléporteur va m'emmener assez proche parce que bon bah il est là le téléporteur. Académie. C'est vers où l'académie? C'est plutôt vers ici non? Caveau des ombres. Ici c'est quoi? Bibliothèque de l'agonie. Caveau des Vessani, forge. L'académie c'était plutôt vers là, il me semble. Enfin, je dis vraiment au hasard en vrai. Alors, est-ce que l'académie est dans le coin? Pas du tout. Donc, ça doit être. Caveau des Vessani. Caveau des géants. Ça doit être là. Ouais, là ça sonne plus académie ça. Donc vers l'académie, jardin de l'académie, jardin de l'académie. Donc ici y a rien. Je suis en train de re-regarder. Ah y a un truc ici. Ah voilà, il y a des téléporteurs. Donc ça, ça mène à où? Ça, ça mène au coffre. Vers l'académie côtière. Suspicieux tout ça, je n'arrive pas à trouver le chemin. Ici il n'y a pas grand chose. Est-ce que toi tu es un vendeur déjà? Oh, j'ai un livre qui pourrait peut-être vous intéresser. La bibliothécaire prend précautionneusement le livre que vous lui tendez. C'est parfait. Merci, soyez assuré que ce livre a trouvé ici un bon foyer. Robe Vastaya ancestrale. C'était le dernier volume, laissez-moi un moment pour les étudier. Let's go! J'ai réussi un truc. Comme je le craignais, rien. La bibliothécaire semble déçue. Je pensais trouver quelque chose dans cette série. Tant d'esprits brillants qui ont participé à ses recherches, en vain. La malédiction spectrale est différente. Peut-être que toutes les réponses aux questions de la vie qui ne se trouvent pas dans des livres... Vous avez respecté vos engagements et, au moins, la bibliothèque est désormais un peu plus complète. Comme promis, je vous remets ici, dit-il. Sel et os, what the fuck? Donc, sel et os, une paire de pistolets personnalisés faits d'ivoire. Bon, nul. Et j'ai eu ça. Robe Vastaya ancestrale. Bouclier anti-sort quand l'unité est touchée à 20% de chance de créer un bouclier. Qui a beaucoup plus de stats, enfin un peu plus, donc je prends. Et ici, on n'a pas grand-chose de spécial, il me semble. Donc, ok, pourquoi pas. J'ai envie de dire merci. Oh, un truc. L'étagère est pleine de tomes, ils sont indéchiffrables. Ok, donc, bon, c'est une interaction inutile. Là, je peux prendre une potion pour Harry. Ça, d'ailleurs, je me demande ce que c'est, vraiment. Genre, je ne sais même pas ce que ça fait. Normalement, ça ouvre des portes. Mais c'est tout ce que je sais. Chambre de la conjonction, bon ça on s'en fout. Il y a un petit golem, deux golems et c'est tout, on s'en fiche. Après techniquement on peut les farmer ensemble si on veut du mat. Mais non, je vais m'en passer, je vais juste continuer à chercher ce que je dois chercher. Tac. Là, donc ici on est retourné à ce point là. Mais alors, par contre, à l'académie côtière. Donc là, faut que je passe sur le teco. Donc faut que je fasse ça. Et dès que je peux, je tourne à gauche. Oh non, je retrouve les mêmes ennemis. Relou ça. Oh, je vais les fuir. Rien de mieux pour régler une querelle. Fuite échouée. Fuite.
Parfait. Allez, allez, je me tire. Je passe à gauche, ça y est. Oh, ici ça a été remplacé par des... par... Waouh, ok, ça a été remplacé par ça. En vrai, j'ai envie de les affronter maintenant. C'est rigolo ça. J'avoue, j'ai envie de me taper contre ça. Allez, je prends juste une potion de sang céleste et on part à la bagarre. Allez, venez, venez. Bon, ça rapporte 5000 gold et du bon matériel. C'est beaucoup. C'est beaucoup, je prends. Là, on a rien. Donc c'est ici, normalement. Alors, nice, il y en a un là. Donc ça, ici, c'est où? Salle de conférence. Là, on est dans l'académie côtière. Ok, good. Ça m'arrange. Allez, je vais esquiver le... Nice, j'ai esquivé ce mec. Oh, il y a du monstre de partout, là, bordel. Arrêtez ça! Arrêtez-vous, monsieur! Kill sur mes adversaires. Oh, un anneau d'écrasement niveau 27. Mais je crois que c'est éclaté, parce que... Il me semble que j'en ai. Ouais. Ah, des niveaux 27? Ouais, c'est nul. Ok. En plus, c'était pas les rares, je crois. C'était encore plus nul que ça. Donc, allez. Bon, on va partir directement vers la suite. Oh, Harry a son effet. Stacké. Donc c'est ici qu'on va retrouver notre copain. Oh, il y a du mob. Allez, on va trouver le vrai. Oh, c'est toi le vrai. Allez, venez. Je vous cherche, moi. J'ai raté l'orbe. Trois vagues. Ils ne sont pas sur la liste, mais... Ils sont pas sur la liste, effectivement. Allez, petit AOE. Pour les chatouiller. Nice. Là, je peux faire à fond des dégâts. C'est parti. Ok, par rapport à la brume, voilà, on a infligé un fond les dégâts. Un kill. Oh, le heal. Ouh, les dégâts. Je ne m'en lasse jamais. Ok. Allez, on va se soigner à fond. Yasuo, bon après il a pas vraiment besoin de sang, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. C'est cadeau. Parfait. Donc là on a tué tout le monde. Oui, il en manque. Ah mais non, il en manque un. Ah non, c'est bon, 3 morts. C'était trop rapide. Qu'est-ce que... C'est d'origine bourrou. Mon peuple est venu ici dans les îles bénies avant la ruine. Ce qui se trouve en dessous est bien plus vieux que nous tous. Bien plus vieux que cet endroit. Bien plus vieux que ces gens. Les mers précèdent toute chose. Attends, des bourrous ici? Je croyais que ton peuple ne quittait jamais les îlots aux serpents. Mon peuple est à Bilgewater, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Je n'imaginais juste pas que les bourrous étaient du genre pèlerin. Nous allons là où Nagakaburos le souhaite. Statue du Kraken en or. Waouh. Ça, c'est un item que je peux trade, ça. Je sens l'argent. Ah non, je peux pas. Je peux pas du coup. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc là, on a quoi d'autre à faire ici? Océan, phare des profondeurs, Bilgewater, îles obscures, ça j'ai fait. Bilgewater, îles obscures, cimetière, îles obscures, sanctuaire de Thresh. Donc ça c'est bon. Et donc là, faut que j'aille au sanctuaire de Thresh pour chercher le dernier commandant. Bon bah, c'est parti hein, du coup. Je refais un tour. Oh. Bien. Alors, on va récupérer cette arme. Hop. Ouais. Je pense que je vais faire une coupure ici, comme ça vous allez... Enfin, on économise un peu de temps sur la vidéo, vu que là on commence à dépasser l'heure 17, là ça va être une vidéo très longue. Donc je vais accélérer les moments de combat, etc. Nice. ...1300 pièces et du matériel. Allez, on se repose. Oh shit, j'aurais pas dû, parce que ça va remettre les mobs. Ok.
quelle erreur. Oh, quelle erreur, et voilà. Oh, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Bon, bah. Pff, bon, ok. Y a pas de téléporteur ici. Ah oui, ça remet bien les mobs. Du coup, on avait dit qu'on allait où? Non, ça c'est fait, c'est ici là. Cimetière. Mais on l'a fait, non? Cimetière. Razal Faucheur. Ça, c'est bon? Comment l'en... Sanctuaire de Tresh. Non, il manque que lui, en fait. Donc, Sanctuaire de Tresh. Ça, c'est quoi, ça? Au large des côtes des îles, aux serpents, une récompense sera offerte à quiconque... Ok. Donc, d'abord, on va faire ça. Aller à la carte de quartier. Chambre rituelle. What the fuck? Chambre rituelle. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on peut se repermettre de farmer eux, là. Là, niveau pièces, je dois être riche. Ah, je suis à 100 000 de pièces, hein, quand même. Ça monte tellement vite. Je suis passé de 69 000 à 100 000. C'est pas mal. Alors là, du coup, ce que je dois faire, c'est aller au truc de Tresh. Il faut que je trouve le téléporteur. C'est là-bas? Caveau des géants. C'est où le téléporteur le plus proche? Je crois que c'est là-bas en plus, hein. Bon bah go alors. Là, c'est fait. On remonte immédiatement. Ouais, le téléporteur, il y en a un dedans. C'est le truc qui ressemble à l'académie. Ouais, j'aime cette ambiance-là. J'ai quoi comme potion? Oh, j'ai de la petite potion, là. 2800 PV. Allez, un petit 2800. Même si, en vrai, bon, voilà, quoi. Ah, bah oui, du coup, comme j'ai pris un point de repos, je récupère les golems ici. Bah après je peux me les taper les trois en soi, donc si j'arrive à les rassembler je peux les prendre. Allez, on va essayer de les rassembler. Bon, j'espère que ça va pas me tuer quoi. Y a que deux golems. Allez là. Il est où le troisième? Ah, y'a pas de troisième, y'a que deux golems là. Ah, je pensais pas. Bon allez, on se les fait. C'est parti. Gardien prototype niveau 30. Ouais, je peux les tuer. Mince, j'ai pas les trucs qui font des dégâts à fond. Donc là, faut que je fasse à fond des trucs de puissance. Ah si, avec Yasuo, ça va le faire. Ça le fait avec Yasuo, normalement. Pike, pas, ça le fait pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux faire ça, du coup. Allez, parce que ça fait 2 points de dégâts. Ok, parfait. Ouh, le one shot! Non! Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Potion moyenne. Ok, ok, c'est chaud. Non, là, faut que je refasse ça également. Oh, les dégâts que je prends. Allez, le gardien prototype, faut que j'arrive à te frapper. Nice, j'ai réussi. Allez, le heal. Joker bouclier. Oh mince! Ah non, ça va. Lui, il bénéficie pas de ça. Ok, oh, l'esquive de Pike. Ok, parfait. Yasuo réduit à fond. Je refais un affaiblissement là. C'est pas beau ça. Hein. Oh, les dégâts que ça fait, bordel. Allez, dévoration. Il faut que je fasse à fond du dégât ici. Allez là. Non, je meurs. Oh, je meurs. Non. Non. Ok, je survis. Je réanime Pike. Oh non, c'est chaud. Oh, je survis. Let's go. Ça fait 14 000 de dégâts, ça.
Ok, ça, ça fait quoi? Non, je vais mourir de ouf. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est trop dur. Oh, Harry peut faire un truc avec les soins. Oui, Harry peut raise. Donc ça va, en vrai. Si j'arrive à attaquer... Ah, mais j'arriverai pas. Punaise, c'est chaud. Ah, ça, c'est bien, ça, mais c'est rapide. Ah, lui, il va attaquer Yasuo avant. En fait, donc, j'ai perdu là. Ok, Yasuo est mort. Donc là, avec Harry, je peux faire ça, en fait. Vas-y, je vais... Ok, il faut que je fasse ça. Donc, soin, raise et dégâts. Il n'y a que ça à faire. Parfait. Ok, je meurs pas tout de suite. Ça, c'est bon, ça. Oh, je vais faire ça. Ok, faut que j'en tue un au moins. C'est pas possible sinon. Là, j'ai encore une potion de raise moyenne. Parfait. Ok, c'est Pike qui prend, c'est pas grave. Je survis, j'arrive à faire les dégâts juste avant. C'est worse. Là, faut que j'arrive à tuer un golem. Non, c'est chaud. Potion de res directement. Allez, Harry. Faut qu'on arrive à faire tenir les gens là, c'est parce que c'est chaud. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel. Je me suis mis dans la sauce. Oh, la big sauce dans laquelle je me suis mise. Oh, le heal. Ok, Harry survit. Ok, faut que je soigne Pike. Ou Harry. Non, faut que je soigne Pike. Harry. Ok, je suis mort. Je raise. Harry. Avec le peu de PV que Pike a. Nice, j'ai un petit bouclier pour Yasuo. Ça fait plaisir, ça. On en a besoin, de toute façon, là. Allez, là. Oh, mais là, je tue, là. Non, pitié, je tue. Je tue pas. Ok, là, je mets tout sur ce golem. Là, il faut vraiment qu'il meure. Let's go, il est mort. Parfait. Donc Harry est morte. Là je recommence. Potion majeure. Oh, j'ai que des potions. J'ai que des potions majeures là. C'est pas grave, potion majeure. Allez, c'est la dernière normalement. J'en ai pas besoin de plus, j'espère. Parfait, le heal. Mince, je me suis pas octroyé le Joker. Heal de Pike. Allez, là j'ai l'ult. Ça fait le dégât que ça fait. Non, il faut... Allez, allez, je peux l'avoir, je peux l'avoir, là. Normalement, ça devrait aller. Tac. Et là, j'ai 20 piles pour faire ça. Allez, allez, allez. On y croit, bordel. Morsure. Il reste tranquille. Te fais pas one shot. Non. C'est chaud. Oh, c'est bon, je l'ai tué. Oh, let's go. Oh, la bêtise que j'ai faite. Non, c'est trop grave. 4000 gold, bon merci, merci, allez. Waouh. Ah non, mais c'est grave. Ok, good. Allez, on se tire. Faut que j'aille ici, port englouti, c'est parti. Ah, j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis hein, sur le chemin, parce que là, c'est finito sinon. Non, il n'y a pas d'ennemis. Bon, en tout cas, j'ai lavé tout le monde et je suis quasiment mourant. Les gens commencent à parler. Si vous continuez, vous allez devenir une légende locale. Peut-être même que j'arrêterai de m'inquiéter, dit Phileas en souriant. Mais je ne peux rien vous promettre. Au fait, j'ai quelque chose pour vous. J'accepte. 2500 gold. Bonjour. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, oui. Oh, let's go. Oh, let's go. Allez, allez, on va prendre le feu de camp tout de suite au-dessus. Phew. On va commercer un peu, on va faire les petites choses... Oh, what? Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a une giga ombre comme ça, là? What the fuck? Mais elle est effrayante, cette giga ombre.
Bon, en tout cas, il y a des choses à faire ici. Alors là, ça c'est fait, c'était de l'enchantement. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, est-ce que... Ne me dites pas que... Où avez-vous trouvé ça ? Où avez-vous trouvé cette amulette ? L'ombre montre l'allumette pourpre que le groupe a utilisée dans la bibliothèque de Tresh. Je donne des explications. Je sais même plus c'est laquelle. Vous êtes échappé aussi ! Vous avez même battu Tresh ! L'ombre vous regarde, incrédule, c'est presque impossible à croire. Vous êtes allé dans la bibliothèque de Tresh ? Pourquoi la mutelle vous dérange-t-elle ? Je vais prendre ça. La question fait grimacer le marcheur de brume. J'étais piégé là-bas, pendant très longtemps. Tresh me forçait à fabriquer des artefacts et des instruments de torture pour lui. Pourquoi l'amulette vous dérange-t-elle ? Cette amulette est un signe hiérarchique dans la bibliothèque. Plus l'amulette est puissante, plus votre accès à la bibliothèque est libre, explique l'ombre. C'est pour ça que j'ai cru que vous étiez peut-être... Il frissonne. Attendez, avant de partir, je peux peut-être vous aider, bégaye le marcheur de brume. À la bibliothèque, il y a une salle dans laquelle Tresh fabrique des artefacts mystiques, dans laquelle je travaillais. Si je déverrouille votre allumette, vous pourriez y retourner. Vous pourrez peut-être y créer une arme suffisamment puissante pour mettre un terme aux machinations de Tresh. Je lui donne l'allumette. Oh, on débloque des quêtes. Voilà, l'amulette est prête, comme si elle appartenait à Tresh lui-même. Maintenant, vous pouvez trouver son creuset. Il se trouve dans la pièce adjacente au sanctuaire de Tresh, tout en haut de la bibliothèque. Pièce adjacente au sanctuaire de Tresh, en haut de la bibliothèque. Le marcheur de brume vous rend l'amulette. Bonne chance, j'espère que ça vous aidera, dit-il en souriant faiblement. What ? Mais il y a tellement de choses qui se passent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trouver l'atelier d'artefacts. Trouver l'atelier d'artefacts, oui, j'ai bien compris, là, il se passe des choses... Oh ! Ah non, il n'y a plus rien à faire avec toi. Attends, mais il y a des quêtes secondaires comme ça, là, qui pop ? Ici, il y a quoi ? Voir la marchandise. Ouais, bon, ici, maintenant, c'est fini. Là, bon... Il n'y a plus rien à faire, hein, ici. Ouais, ici, il n'y a plus rien à faire. Par contre, est-ce que je peux te vendre des trucs? Parce que, bon, j'avoue que j'ai plein de conneries, là. Ah ouais, surtout ici, j'ai des trucs, mon pote. Vendre. Allez, je vends tout ça. Ça, je garde. C'est un souvenir, les appâts savoureux, quand même. Ça c'est nul, ça nul, ça nul, 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 nul. Bon, on va déjà vendre les trois ici, le plastron sublimé aussi. Ici, vendre. Oh, on s'est fait plein de thunes, je suis à 133 289 pièces, let's go. Toi, vendre des objets, toi tu... Ah bah non, mais c'est la même chose. Ok, bah qu'est-ce que tu t'achètes, toi ? Qu'est-ce que je peux t'acheter ? Du matériel et des potions. Ah, les potions sont cool. Bon, j'irai te voir une autre fois, ou alors j'irai voir un de tes collègues, MDR. On s'en fout. Et avec un peu de chance, vous pourrez les découvrir, les secrets. Donc, il y a des secrets qui se cachent un peu partout. Bon. Voir la marchandise. Oh, attends, what ? Attends. Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Ah non, ça vaut 10 000, mais c'est éclaté. Bon, ok, pas fou. Habit du trésor royal. Ouais, mais il n'y a pas les effets bénéfiques. Ah ! Ça, je veux bien. Ça ? Non. Je vais prendre le truc de Yasuo. Qui est pas mal. Ici, c'est pour avoir de l'endurance à fond. Ça, c'est quoi, ça ? C'est du dégât. Et non, sinon, c'est pas ouf, hein. D'accord, donc là, je vais équiper le nouveau truc. Non, pas le déchanceux, c'est ça, la tunique de gendarme. Voilà. Allez, je vais vendre des trucs. Voilà. Là, on est en glow-up. Normalement, on a... Ah non, on peut checker encore au-dessus. Donc là, c'est la bibliothèque de Tresh, donc. Bon, on va faire un épisode un peu plus long, hein, quand même. Je pense que même avec les coupures de combat, je pense que ça va durer assez longtemps, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, c'est ici. J'ai débloqué le dernier tiers. Allez, j'utilise l'amulette.
C'est parti. Trouver l'atelier d'artefacts de Tresh. Ouah, il y a des histoires de ouf. Oh, c'est quoi ça? Déjà, il y a un truc qui s'est activé ici. Vous pouvez utiliser la forge. Un pouvoir ultime semble animer. Cette forge semble dominer l'espace. Seuls des yeux attentifs sauraient discerner l'élégance masquée par son design d'une extrême simplicité. Chaque élément qui la compose est réduit à sa forme la plus pure et sa conception est la définition même de la perfection. Seuls les composants de la plus haute qualité peuvent y être utilisés et seuls des ouvrages légendaires peuvent y être créés. Ok, c'est une dinguerie. Elle est très très belle cette forge, elle est énorme en plus. Donc là on a un truc. Traité sur les gemmes et les minéraux, à manipuler échantillon à l'intérieur. Bon. Partie d'histoire obtenue, traité sur les gemmes et les minéraux. Oh. Ça pourrait servir d'explosif. Mon arsenal gagnerait en puissance de feu. Je me souviens avoir entendu ma mère parler de fabriquer des composants bien plus puissants, capables de supporter une telle puissance de tir. C'est sûrement ce qu'elle cherchait. Des composants plus puissants? Ta mère était un maître artisan, c'est bien ça? C'était la meilleure dans son domaine, la plus grande artisane que le monde ait jamais vue. Elle a construit ses pistolets. La valeur d'une arme est uniquement définie par celle de son porteur. Elle ne les a pas faits pour moi. Il pourrait être bien plus encore. Elle s'est volontairement bridée en les créant. Nous devons trouver cette dernière partie. Je me souviens qu'elle avait écrit quelque chose à ce sujet. Il y a quelque chose entre les pages. Un dessin? On dirait une carte. Ok, les sanctuaires tortueux sont désormais accessibles par téléporteur. Oula, on débloque des trucs là. Cristaux explosifs instables. Insane. Là, l'épée légendaire de Draktar. Oh, comme l'item sur LOL. Ça, c'est pour Yasuo, ça. Ah non, c'est pour Harry. Draktar, j'ai déjà entendu ce nom dans mes souvenirs. On dirait un parfait ennemi. Avec une lame parfaite. Cela les fait passer. Lui est l'ordre de l'ombre. Pour les justes, pour des justes. Nombreux à Ionia n'y voient que des meurtriers. L'ordre. Draktar, j'ai entendu parler de ces choses dans les profondeurs, quelque part, dans mon esprit. Où peut-on trouver cette lame? Je ne suis même pas sûr qu'elle existe. On dirait une histoire effrayante qu'on raconte pour faire peur aux enfants et aux superstitieux. La lame est réelle, tout comme l'ordre. Nous devons la trouver. L'ordre est bel et bien réel, mais nul ne les trouve. Ce sont eux qui vous trouvent. Ce ne sont pas des alliés des Vastaya. Espérons qu'ils ne nous repéreront pas. Ok. Obtenir les matériaux requis pour fabriquer l'épée Vespérale de Draktar. Vespérale de Draktar. Bon bah on a... Eh, on débloque tellement de quêtes là. Attends, on va tout lire et on va mettre fin à cet épisode là je crois. Sur le chemin d'Imelo. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, cette personne mentionne Imelo. Il existe bel et bien. Quel soulagement. J'avais peur d'apprendre que ce n'était qu'une légende. Je croyais que tu en avais entendu parler par une diseuse de bonnes aventures. Ce sont toutes des charlatans, ne t'y fie pas trop. Qui est cet Imelo? Ça dit quelque chose, Harry? Une diseuse de bonne aventure m'avait dit un jour qu'Imelo avait fabriqué mes pierres solaires. Cet artisan essayait également de suivre ses traces. Alors, nous cherchons aussi ses secrets, petite renarde. Brome s'en occupe. Merci, Brome. D'accord. Suivant. Le rêve des yeux. Obtenir la pièce du renard de feu. Ok. C'est incroyable. Est-ce qu'il s'agit du journal d'un ancien apôtre de la vérité? C'est impossible. Avoir été en présence de Nagakaburo, c'est avoir vécu pour le poser sur le papier. Était-ce le premier? Non. C'est impossible. Nagakaburo, cela a toujours été et le sera toujours. Quelle histoire étrange. Tout autant que cette épreuve. Je n'ai jamais entendu parler d'une épreuve imposée aux adeptes de la déesse. Comment est-ce possible? Les profondeurs ont leur propre volonté. Nous ne pouvons que la suivre. Nous nous rejoignons sur ce point. Je ferai ce qu'il faut pour apaiser ma déesse, car c'est mon devoir. Peut-être que nous en aurons un cadeau en retour. Comment Nagakaburo a pu te trouver digne? Je ne comprends pas. Peut-être es-tu fait pour me guider ici? Pour fabriquer le cœur de la déesse. Bon, il reste encore deux trucs à fouiller. Oh, un parchemin ici. Remarque sur les quatre vues du caveau des merles. Bon, ça va, ok, good. Alors, ici. Étude sur la puissance de l'âme, application pratique et comportement protecteur. C'est pour Yasuo, ça. Ah non, c'est pour Brome. Brome connaît les feux de l'âtre. Dans les contes d'Orne, les feux de l'âtre sont des artisans sans attache. On dit qu'ils sont presque aussi doués qu'Orne lui-même. Orne, les feux de l'âtre, ce ne sont que des contes. Je préfère me concentrer sur de vraies armes tangibles. Ils sont réels. Le bouclier de Brome est une porte fabriquée par Orne en personne. Il est alimenté par la glace pure et utilisable uniquement par les frêles jordiens d'une grande force. Qu'est-il arrivé à ton bouclier? Je ne suis pas sûr. Il a été perdu quand Brome s'est noyé. Brome ne sait pas nager.
Mes hommes l'ont tiré de l'eau, mais ils n'ont trouvé aucun bouclier. De la glace pure, de la roche volcanique forgée, des cristaux refermant des âmes. Des âmes palpitants. Nous devons continuer d'avancer. Obtenir un énorme cristal chargé. Les héros du vent. Ah ça c'est... Ah bah voilà. C'est pour le copain Yasuo là. La dualité du vent. Trouver la neutralité. Le vent a été mon allié dans la vengeance et le courroux pendant longtemps. Le vent t'a aidé à avancer, il t'a empêché de stagner. Je l'ai trop longtemps utilisé pour les mauvaises raisons. Tu trouveras l'équilibre. Ton pouvoir du vent nous a sauvés plus d'une fois, il nous a protégés. Nous n'irons certainement nulle part sans les vents. Je dois faire plus, absolument. Oh, what? Trouver une effigie de la bienveillance déesse du vent. Mais en fait, tout ça, mais je les ai obtenus. C'est ça. C'est ça en fait, non? Énorme cristal chargé, tout ça. Mais oui, c'est ça en fait. J'ai déjà tout eu. Waouh. Attends. Mais attends, mais j'ai déjà fini ces missions, ça veut dire, sans le vouloir. C'est ça, non? Ah non, j'ai pas tout eu encore. Oh punaise, les quêtes secondaires, quoi. Obtenir l'essence d'un serpent donné volontairement, obtenir les matériaux requis. Lame de tempête, retourner à la forge dans le donjon de Thresh, ça j'ai fini. Récupérer le bouclier Fred Jordien de Brome, je l'ai pas récupéré. Obtenir des canons volcaniques convenables, obtenir les matériaux requis. Ok, donc en fait, non. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc déjà, je peux retourner dans la forge ultime pour Yasuo. Fabriquer une arme légendaire. Bah oui, que Yasuo du coup. L'arme fabriquée, lame tempête, crépitant d'électricité. Cette lame contient la puissance écrasante d'une terrible tempête, parfaite pour un véritable maître du vent. La lame tempête permet à son utilisateur de canaliser l'essence même de la tempête et de condamner tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Waouh, 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 plus 1500. Lame tempête, chaque coup et octroie une charge de la lame de tempête à 10 effets cumulés, relâche un éclair qui inflige 817. Dégâts bruts. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Non mais ça rigole plus là. D'accord. Ok. Bon bah écoutez. Waouh. 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 Et ben sur cette lame de tempête on va se laisser hein, pour cet épisode. Parce que ça commence à faire pas mal en vrai. Là je vois que ça fait 1h45 que j'enregistre. Ce sera un peu plus court. Mais du coup, je pense que ça a tourné déjà autour des 1h30. Et ben, écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao !